amis, aujourd'hui on espère que vous avez la forme parce que nous ça va super bien. Ça va même très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation à la vague. Et oui, une dégustation à la vague. Donc dans ce petit sac, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai juste dit deux mots. Il y a dedans des boîtes de conserve. Oui, des bonbons. Et ils sont d'un autre temps. Donc ça veut dire quoi, par ils sont d'un autre temps? Ça veut dire qu'ils sont vieux. Voilà, ce sont des vieux bonbons que j'avais collés sous le matelas et que j'ai mis dans la boîte. Non. Non, c'est pas vrai. C'est des bonbons d'un ancien temps. Voilà, ce sont des bonbons que pouvaient manger vos grands-parents. D'ailleurs, le papy de Corentin et Lucie a mangé ça. Maman aussi, elle les a goûtés quand elle était petite parce que mon papa en mangeait. Mais aussi, à l'intérieur, il y a des bonbons qui sont les premiers bonbons de chez Haribo. Ah. Voilà. Donc, ce sont des bonbons extrêmement vieux. Alors, Océane, on n'essaye pas de spoiler, mais si on regarde dans le sac, de toute manière, tu ne sauras pas ce que c'est. Alors, on y va. On fait un chifoumi pour savoir qui commence à tirer dans le sac. Chifoumi. Chifoumi. Mais c'est celui qui tombe un pied dans ses bras. D'accord. Donc, on va tirer un premier bonbon. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup dans le sac. Donc, on va tirer le premier bonbon au hasard. Alors, c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ce zan? Du zan. Du zan. Est-ce que vous connaissez le zan? Non. Alors, fais voir, je vais montrer aux copains, savoir s'ils connaissent. C'est à l'anis. Alors, voici le haribo zan, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un des premiers bonbons de chez Haribo. C'est aromatisé à l'anis et c'est de la réglisse. Voilà. C'est pas la réglisse. Voilà. Donc le challenge, ça va être de goûter. Et je peux juste vous dire un truc. C'est que c'est super bon. Alors Lou, tiens. J'ai peur. T'as peur? Moi aussi, parce que la réglisse ne m'aime pas. Moi j'aime bien la réglisse, mais le vent, je vous dirai après. Alors pour ceux qui connaissent, vous pouvez nous le dire dans les commentaires hein, tout de suite. Hein. Si vous connaissez le zan, si vous avez déjà goûté, si vous aimez pas. What, c'est quoi cette plaque noire là? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, tu peux peut-être le sortir, on va montrer aux copains pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà. En gros, c'est comme les roulés de réglisse, sauf que c'est un carré, c'est ça? Non, mais là, c'est à l'anis. Le zan. Donc, je sais pas si ça va faire focus, parce que c'est tout noir, voilà. Donc, c'est une plaque en fait de réglisse très très dure. Donc, je vous en coupe un bout, en fait, ça se casse comme ça. Voilà. Donc, un bout pour Océane. Alors. Je vous en donne, attends avant de goûter. Hein. Je vous en donne un tout petit bout, même ça c'est très très gros. Parce que vous allez voir, c'est super fort. Alors moi je vais goûter un bout. Alors moi je prends un petit bout, mais je sais que c'est super fort. Donc voilà, on goûte. Allez. Ouais. Et bah moi j'aime pas ça, j'en ai dans la bouche, mais j'ai horreur de ça. Ouais, c'est super fort en réglisse, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de... Je vais chercher un sopalin. Ah oui. Attention au crâne de papa là. Vous allez dans tout... tout ton marron. C'est pas bon? C'est très très fort le zan. Il y a des gens qui aiment ça. Oui, il y a des gens qui aiment ça, notamment papy Michel. Il adore ça le zan. Mais moi j'aime pas non plus. Alors c'est très fort en goût et c'était le goût original. Donc à l'anis. Voilà. Oh, l'anis en plus c'est fort. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, ben, allez goûter parce que ça vaut l'expérience. Encore du zan. Hein. Alors, du zan numéro 2. Alors qu'est-ce que c'est? Des croquettes. Ouais. Des cacahuètes. Voilà, ce sont des cacahuètes. Et oui. Ouh. Des cacahuètes. Oui, des cacahuètes avec. Alors je vais vous en montrer une de plus près. Donc on va en sachet quand même. J'espère que ça va être trop bon. Alors le zan, je dis. Voici les cacahuètes. Donc ça c'est super. Tu peux en avoir une entière. J'adorais ça quand j'étais petite. Donc tiens ma chérie. Mmh. J'en prends une pour moi. Et toi tu peux en prendre une aussi, mon loulou. Voilà. Vous dites si c'est bon ou si c'est pas bon. Ah, c'est lourd hein. Alors je le croque. Et à l'intérieur c'est tout dur. C'est bien. Voilà.
Donc alors? Ah, je préfère ça que le zin. C'est meilleur. Alors ça, quand j'étais petite, j'adorais ça. Donc ça me rappelle trop quand j'étais petite et que j'allais à la fête foraine au marché. Parce qu'il y avait à la fête foraine au marché. C'était trop bon. C'était trop bon. Non, vous validez ou pas celui-là? Ouais. Et le zin, vous mettez combien? Ah tiens, on va mettre une note sur 10. Alors, ça c'est 10 sur 10. Ouais. Et le zin, c'est 0 sur 10. Ouais. Ok, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on continue avec un prochain bonbon? Ouais. On arrête là. Avec un prochain bonbon. Un prochain bonbon? Alors, c'est un corambole pioché, c'est ça? Alors, on y va, on met de côté le petit sac. Ça ne change pas tous les bonbons, sinon on peut être malade. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, fais voir. Alors, je vois pas d'ici. C'est des réglisses en tic-tac. Des tic-tac réglisses. Ok. Donc, pareil. C'est un vieux, vieux bonbon de chez Haribo qui sont les réglisses Florent. Donc, ça a un goût. En fait, ce sont des petits réglisses un peu mous au goût de la violette. La fleur de la violette. Alors, je vais vous montrer. Ça fait trop bon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en fait. Dis la vérité. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc on dirait des tout petits. Est-ce que c'est bon? Des tout petits flancs en fait. Alors franchement, moi j'adore ça. Les uns, autant je déteste que ça, j'adore. Je vous en donne un chacun. On dirait des pompes. Alors on y va. On a une chaussure de pompe. Ça a plus le goût de la violette que de la réglisse en fait. Ça colle hein. Ah pas bon. C'est le goût de quoi? On dirait du savon. Ah, je pars. Je vais me rappeler. Et toi, le goût? Bon, bah, ils ont tous perdu. On n'aime pas la réglisse. Alors, je crois que vous n'avez pas trop aimé. Non, moi, ça avait le goût du savon. Le goût du savon, carrément? Parce qu'en fait, des fois, quand je me savonne le visage... On aurait dit que tu mangeais une fleur. Alors, combien vous mettriez sur 10? Quand même 2. 2? Ah, quand même. Ça va pas vraiment le goût de la réglisse, en fait, ça a le goût de la violette, quoi. Moi, j'aime bien, franchement, je mets un 8 sur 10. Allez. Au début, ça allait, mais à la fin, en fait, c'est non. Alors. Oh, il peut faire des trucs comme ça. En fait, elle est en train de se transformer en prank, je crois, cette vidéo. C'était pas le. C'est de la réglisse à la Nice? Non, mais. Alors regarde, ça, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors c'est les grains de millet que ça s'appelle. Alors des vieux vieux Haribo aussi. Super vieux. Hein. C'est de la réglisse arôme anis. Donc c'est une autre forme. On dirait des tic tac aussi, c'est marrant. C'est bon ça. Ça j'aimais bien. Je crois. Moi ce sont des petites billes comme ça, voilà, marron, orange, couleur caramel. Vous voulez goûter? Sérieusement, j'ai peur. Si c'est du caramel, c'est trop bon. Il n'y a que les cacahuètes qu'on aimait. Hein. Alors, on y va. Ça, c'est bon. Trop fort. Trop fort. Trop fort. On a dû faire une coupure parce qu'on a perdu Océane entre temps. Oh, qu'est-ce que tu en as pensé, Océane? Elle manque 4 sur 10. 4 sur 10? Bon, ça va, c'est pas 0. Et moi? 10? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Ah bah en fait, c'est que l'anis on dirait de la menthe et en fait on dirait le chewing-gum à la menthe. Ouais, tellement l'anis elle est pure et tout ça que bah, c'est super fort. On a même la laine, je vais regarder, la laine super fraîche. On ressent l'anis à la fin. Ouais, c'est marrant hein. C'est marrant, on n'a pas le goût de la réglisse par contre. Oui. Tellement c'est puissant le goût d'anis et qu'on a l'impression que c'est de la menthe. Bon bah moi je fais un 9 sur 10 parce que moi j'aime bien. C'est à moi tu veux chose, c'est oui. Non c'est à... Oui à comment parler. Tout à fait. Alors on y va avec... Oh là là. Oh là là. C'est à la violette et à l'anis. Oh non, on a que des trucs à l'anis ou quoi? Alors fais moi manger. C'est à la violette, c'est à la... C'est au shampoing. Alors c'est... C'est au shampoing, j'adore. Alors ce sont les anis de Flavigny à la violette. Donc c'est des petites boules blanches
d'anis à la violette. Je vais vous montrer ça. Mais vous essayez de mordre qu'elle a les bonbons vieux. Voilà comment ça va faire. Ça fait voilà, des petites boules. Je vais en prendre une, je vais vous laisser goûter. Et celle-là, c'est aussi trop super fort. Alors ça, c'est des bonbons super durs. Normalement, c'est des bonbons. Oh, qui vont garder dans ma bouche. Connais. Ah oui. Connais. Un peu. Mais connais, c'est super bon. Alors, je m'en souviens plus, mais c'est un fort goût de violette. On dirait du citron, Hugo. Ouais. Et c'est dur. C'est un goût un peu bizarre, mais j'aime. Ben, moi, je suis moins fan, tu vois. Par contre, c'est très sucré. Faut pas aller aux autres bonbons qu'on a mangés. C'est super sucré, mais c'est un goût de violette, mais bon, ça va. C'est plus sportif sans sucre que la violette. Ouais, j'aime moins. Moi, je mets un 10 sur 10. 6 sur 10. Moi, toi, 10 sur 10. Ah, ben, tu vois quand même que les bonbons qui sont vieux, ils sont bons. Oui. Ouais, quand même. Et toi, 10, Corinne? Ouais, j'en ai. Pour moi, 5. Bon, ben, on perd Corentin encore une fois. Maman. Bon, ben, changement d'avis pour les loulous. Parce que Céane, au final, elle a pas aimé. Comment ça non plus? Qu'est-ce que vous avez pas aimé en fait? Bah, en fait, c'est la violette. Après, ouais. C'est venu. Moi, ouais. C'est parce que ça a le goût du shampoing. En fait, ça a le goût du shampoing à la fin. Vous avez dit, parce qu'une fois qu'on a croqué dedans, on a un fond goût de violette. Moi, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, un jour, je me suis. Laver le visage, et quand je me suis lavé le visage, après j'en avais dans ma bouche. Ah bah ben voilà, ça fait penser à ça. Ok, bon, mais faut pas manger le shampoing là, tu sais, c'est juste pour mettre sur la tête. Hein. On continue avec le cinquième, sixième bonbon même. On y va. J'ai peur. Oh les petits pois. Oh mais j'adore ça, on adore ça. Alors ce sont des petits. Tu veux l'ouvrir? Ouais, les petits pois. Oh, moi, j'ai un lardon. Tu veux quoi, toi? Un lardon ou un petit pois? Bah, vas-y, donne les deux. Bah, oui, donne les deux chacun. En fait, ce sont des petits pois au lardon. Donc, ça, c'est à la Nice. Et avec des petits lardons. Des petits lardons. Lardés. Alors, tu peux voir. C'est bien limité. Hein, le... Alors voici ouais. Un petit bois. Et moi le. Alors ça a l'air d'être un lardon. Un petit bien. Et là un lardon. Voilà un petit lardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est un peu anisé. Moi j'aime bien. On y va. Les petits pois, ils sont super bons. Moi j'aime pas les petits pois. Les petits pois. En fait, d'origine, j'aime pas les petits pois, les vrais petits pois, mais ceux-là, je les adore. Ah ouais. Et les lardons, est-ce que c'était le même goût? Je sais plus. Pas du tout. C'est super bon, les lardons. Et pourtant, ça a le goût d'anis aussi, mais moins fort. Mmh. Non, je préfère quand même les petits pois aux lardons. Lucienne, tu préfères quoi, toi? Lardons. Lardons, et toi, comment? Pour les lardons, je mets. Pour les lardons, je mets 10 sur 10. Pour les petits pois, je mets. 7 sur 10. Okay. Moi j'ai mis 10 sur 10 pour les deux. 10 sur 10 pour les deux, moi aussi 10 sur 10 pour les deux. Mais... Bon, un 10 sur 10 pour les petits pois et 9 sur 10 pour les lardons, mais je préfère les petits pois. Bon, là ça va. Non, ça va, je suis pas tranquille là, ça va, c'est bon. Bon, ok. Ouais, à la fin de la langue, bah, tu sais que la texture est bizarre. Voilà. On va piocher. Ah bah ça, il y en a un deuxième à l'intérieur. Ok, donc on va aller le chercher. Mais je veux pas. Ça va? Ça. Ce sont les... Les boules de doux. Oui, j'adore ça. Alors, tu vois. C'est des sucettes dorées, attendez. Bah voilà, ouais, tu l'ouvres. C'est sympa ça. Moi, c'est l'orange, regardez. Là, je vais enlever le petit sachet qui est là. En fait, c'est des boules de mariage avec... Voir, alors, pour ce... alors ça on en voit de plus en plus maintenant. Enfin, les roudoudous, ce sont ouais, les sucettes dans les coquillages, enfin les bonbons acidulés un peu dans les coquillages. Voilà, donc orange pour Océane. Enfin, je sais pas quel goût c'est hein, au final. Et Corentin, il a un coquillage bleu avec à l'intérieur, il est rouge, c'est ça? Alors toi, c'est goût quoi, Loulou?
fraise. Fraise. Et toi, Sian? T'en goûtes encore un peu. Alors? Je sais pas parce que j'ai encore le goût du petit pois. Ok. Donc c'est un goût, je sais pas, parce que j'ai encore le goût du petit pois. Voilà, c'est un nouveau goût qui vient de sortir chez les bonbons. Décidez en tout cas, est-ce que ça vous plaît ou pas? Oui. Ouais. C'est orange. C'est orange? Ça te plaît? Combien vous mettez? 10 sur 10. 10 sur 10? Et toi? 10. 10 aussi? Bon ben voilà, ça y est, les roues doudou, ils remportent 7 manches. Bon par contre là on va peut-être pas tout manger parce qu'on a un peu avant sinon. Parce que ça en fait à la fin on a mal à la langue, hein, tellement. Tellement. Non, moi je fais que non. Tellement on en a pour longtemps à manger, c'est impressionnant. On passe au prochain moment, on finira plus tard. Ouais, mais maintenant ils sont plus gros qu'avant. À ton tour. Même pas que. Oh, c'est du caramel, je vais te pousser la deuxième. Ouais, il y en a deux. Ouais. Je vous ai dit que les sucettes, il y en avait deux. Les sucettes. Ah, on a trouvé. Non, mais désolé, mais on connaît ces sucettes, on en a déjà mangé. Ouais, elles sont là. Non, mince, c'est la deuxième recette qu'on a vue. Vous pouvez trouver une autre. Alors. Là, je vais tiens. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, quelle sucette est-ce que c'est? Alors, c'est des petites sucettes. Moi, j'en ai déjà mangé deux fois. Et c'est des petites sucettes au caramel. Alors, ça, ce sont les sucettes de mon enfance, mes préférées. On en trouve de moins en moins. Elles sont au caramel. Ce sont les sucettes au caramel de Pierrot Gourmand. Alors, moi, j'en ai mangé deux fois. C'est du pur bonheur. Franchement, tu montres au copain. Ça, j'en ai mangé. En fait, c'est le carambar en version sucette, quoi. Oui, c'est ça, j'en ai mangé une fois et ça deux fois. Ouais, ça c'est trop bon. Ouais. Est-ce qu'on montre au copain quoi? Oui, mais j'ai du papier, tu peux me montrer. Oui, si tu veux, ma chérie. Donc voici la petite sucette. Elle ressemble, donc c'est Pierrot Gourmand et c'est marqué dessus. Non, je parle voilà, de elles 10 sont sur 10. Trop bonnes celles-ci. Donc là, je pense que c'est 10 sur 10. Même moi, ce serait 11 sur 10, tu vois. Et regardez. Moins 20, quoi. Oh, mais Corentin, tu l'as croqué la sucette? Mais quel morfale celui-là! Mais quel goinfre! Elles sont trop bonnes. Alors vous mettez combien? 20, tu vois. Non, moins 100 sur 10. Ok, bon, bah, elles ont. Elle a tout explosé. 1000 sur 10. Bon, on va laisser la sucette de côté, on continue avec autre chose. Je crois qu'il en reste combien? Il en reste plus qu'un, non? Je sais pas. Je sais plus. Voilà. Et il n'y a plus rien dans le sac? Si. Ah, il y a encore des trucs. Ah, il y en a un. Il y a encore un truc. Oh là là, j'ai une petite surprise. Ok. Donc là, on est parti sur les sucettes. Alors, fais-moi un peu la sucette. En fait, moi, vos sucettes, elles sont différentes. Bah, je vous laisse les ouvrir, remarquer. Elles sont dures à ouvrir, celles-là. Voici les sucettes. Donc, en fait, ce sont des sucettes aux fruits et qui ont fruits dessinés à l'intérieur. Alors, elles sont un peu plus molles, comme je vous disais, que les sucettes d'aujourd'hui. Donc je crois que Corentin, alors je sais pas si c'est kiwi ou orange et Océane si c'est framboise ou fraise. Parce que c'est, il y a un petit lézard dessus mais c'est peut-être pas forcément le goût. Framboise. Orange. Elles sont bonnes ou pas? Vous auriez où? Moi je mets 1300. 1300? Mangue. Mangue mélange au citron et à l'orange. Ok, bon, un cocktail quoi. Bon, tu mets combien, Loulou? Les notes à l'infini, tu vois, j'ai tellement adoré. T'as tellement adoré? Ok, notes à l'infini. Donc, moi, ces sucettes, je les aime pas trop, donc j'en mets 6 sur 10. Bon, tu vois, voilà, Océane a senti le dernier, le redouté. Je crois qu'ils l'ont senti, je crois que vous l'avez senti à travers sa chaise, c'est pour ça que vous n'aviez pas, hein? Ouais. Quand t'as eu de privé total. Donc je montre au copain. Voici donc le dernier. Donc c'est du zan original, cette fois-ci aromatisé à la menthe. Donc au sein de la journée. Et doyez une noisette, t'as vu? Et ben on l'ouvre. On le goûte? On le goûte pas? Non, on le goûte pas? On le goûte? Bien sûr, on va le goûter quand même. Donc on y va. Donc même principe que l'autre. Je vous. Ta-da, là, c'est bien. Oh, il a cassé. Donc, le voilà. Donc, c'est le même principe que l'autre. Il est tout noir. Ça te cause à la menthe. Donc, sauf que c'est un aromatisé à la menthe. Donc, je vous donne un tout petit microscopique.
un bout. Voilà, un petit. Bah à la limite, tu peux peut-être juste croquer un petit bout sur ce petit bout. Parce que je pense que ça va être fort aussi. Trop fort. Alors on y va. Ouh. Oh, il est encore plus fort que l'autre, dis donc. Ouais. Oh mon dieu. Oh, et dire que papy Michel il mange ça quand même. Ah ouais. Ouais. Il est fou ce papy, hein. Alors celui-ci, il est encore plus fort que celui à la Nice, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites, les bibous? Plus fort. Beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Il est super bon, vous en voudrez tous les jours. Je le déteste, mais c'est mon pire. Zéro de chez zéro, même oui, en dessous de zéro, zéro. Zéro, zéro. Moins 10, tu vois. Moins 0. 2-0, je mets 2-0. Ok, donc je pense que le zan, vous aimez pas ça, non? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je préfère mes sucettes. Les loulous, c'est la fin de cette dégustation. Alors, je pensais pas que bah, vous réagiriez à ce point, franchement. Je pensais pas que vous détesteriez autant certains bonbons. Donc, au final, ça a fini au prank. Voilà. Vous êtes pranké au final avec des bonbons, vous imaginez? Surtout le dernier, il était horrible. Est-ce que tu veux que je mette les mêmes à ton anniversaire pour tes copains? Non? Ouais, ça, je veux bien, ça, je veux bien. Et la sucette au caramel. Alors, dites-moi, bah, lequel est votre préféré dans tout ça? Ouais. Lequel est votre préféré? Un seul. Ah, moi je fais les sucettes dans ma main. Au niveau des sucettes, au niveau de quoi? Non, mais dans tous les bonbons, lequel vous avez préféré? La cacahuète. La cacahuète? Et toi, Loulou? Oh, c'était gros quand, c'était dur, c'était mou en même temps, c'était pas. Bah, moi, ça a été en vrai que la sucette pire au bonbon. Ah non, je sais, c'est le zin à la menthe. Non, je blague. Alors, Océane, avant qu'elle se décide, c'est bon? T'as trouvé? Celle-ci? Ouais, elle est pas mauvaise non plus, mais moi, c'est les petits rots, bonbons, les sucettes au caramel. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quel est votre bonbon préféré, lequel vous auriez vraiment voulu goûter. Ça colle! Et puis, lequel est celui que vous détestez le plus? Je crois que c'est sans appel. C'est le zan. Le zan, ouais. Alors, le zan à la menthe ou à la bis? À la menthe. À la menthe. Moi aussi, c'est celui que je déteste le plus. Donc, comme je vous disais, les amis, bah, dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez déjà goûté ces bonbons. Voilà, si vous les avez déjà vus. D'ailleurs, si vous voulez les goûter, ils peuvent les trouver où? À My Little Candy Shop. Ouais, bon, ça, c'est pour ceux qui habitent à Nîmes, ils peuvent les trouver à My Little Candy Shop. Et par contre, sinon, vous pouvez les trouver aussi sur Internet. Nous, on va vous laisser, on va aller se brosser les dents, parce que là, on a mangé beaucoup de sucre. D'ailleurs, si vous mangez les bonbons, évitez d'en manger le soir et brossez-vous toujours les dents après. Nous, on va vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des bisous et on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous. Ciao.